Bonjour et bienvenue dans cette euh, dernière vidéo de la série sur l'alarme sécurité-incendie. Donc euh, aujourd'hui c'est le chapitre numéro 7, c'est donc euh, le dernier, et euh, on va parler de l'éclairage de sécurité. Donc l'éclairage de sécurité euh, en même temps que la sécurité-incendie, euh, ce sont des dispositifs qui sont euh, régis euh, par, par des normes de sécurité pour les établissements qui reçoivent du public. Donc on va trouver essentiellement dans... Euh, dans l'éclairage de sécurité on va trouver essentiellement donc euh, les fameux euh, blocs de, autonomes de sécurité qui vont euh, indiquer euh, les, les issues les évacuations et puis on a aussi l'éclairage de sécurité. donc l'éclairage de sécurité euh, permet de guider le public lors de l'évacuation d'un bâtiment. donc euh, en cas d'incendie euh, voilà en cas de de nécessité d'évacuer le public à l'intérieur d'un bâtiment, en fait la, la première utilité de l'éclairage de sécurité, ça va être de guider le public. Et euh, souvent, on va tenir compte que ça va se faire en l'absence de l'attention du secteur. C'est-à-dire qu'on va imaginer qu'il y a une coupure de courant euh, due à l'incendie ou due euh, à l'événement qui a euh, généré l'évacuation du bâtiment. Il doit également s'assurer que cette évacuation se passe dans des conditions optimales de sécurité. Donc, si on a euh, une coupure de courant, il est possible que l'évacuation soit nécessaire de nuit. Donc, il va falloir faire attention aussi au fait qu'on euh, qu optimise l'évacuation par un éclairage de remplacement, par exemple. Donc, cet éclairage s'applique aux établissements recevant du public, hein, c'est ce qu'on appelle généralement les ERP, ainsi qu'aux établissements recevant des travailleurs, ce sont les ERT. Voilà. Donc, ce qui est soumis à réglementation, donc ça ne s'applique pas dans les logements des particuliers. Donc, il faut qu'on définisse clairement les termes de l'éclairage. Donc, on va voir de quoi se compose euh, l'éclairage de ces établissements. Donc, en fait, il y a trois types d'éclairage essentiellement. Donc, il y a le premier type, c'est l'éclairage normal de l'établissement, c'est-à-dire ben, l'établissement fonctionne. Donc, là, dans l'illustration, euh, c'est un magasin et on a un éclairage. Euh, en permanence, pendant les heures d'activité du, du magasin, euh, de type LED ou, ou de type fluorescent. Enfin voilà, c'est l'éclairage classique de, de l'établissement. Ensuite, il y a l'éclairage de sécurité. Donc l'éclairage de sécurité, c'est lui qui permet de faciliter l'évacuation du public et éventuellement euh, de lui indiquer les manœuvres à effectuer. Donc on retrouve ces fameux blocs d'évacuation et puis on a aussi euh, l'éclairage de remplacement. Et donc l'éclairage de remplacement... Euh, donc ça, c'est l'éclairage de remplacement pendant l'évacuation. Et puis, on a la possibilité d'avoir un éclairage de remplacement pour continuer les activités euh, de, de l'établissement. Donc ça, par exemple, ben, ça peut être un établissement qui est secouru par un groupe électrogène ou alors par des, par des batteries, par des onduleurs. Et donc là, on va pouvoir continuer à exploiter normalement l'établissement, même en cas de coupure du secteur. C'est ce qu'on trouve notamment dans les hôpitaux. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt euh, ce qui se passe en, en cas d'évacuation. Donc c'est l'éclairage d'évacuation qui nous intéresse dans, dans ce chapitre. Donc l'éclairage d'évacuation, j'en ai déjà parlé, il permet l'évacuation du public en lui indiquant les cheminements, les sorties, les obstacles et les changements de direction. Donc l'éclairage d'évacuation, c'est donc bien ces blocs autonomes d'éclairage de sécurité qu'on va trouver à des endroits stratégiques de l'établissement, et notamment au niveau de ses issues. Et donc ça, c'est le terme à connaître quand on parle d'éclairage de sécurité, c'est le BAES. Euh, on en connaît tous, on les voit tous, on les rencontre euh, lors de nos visites des établissements, peut-être qu'on les remarque. Ce sont des blocs autonomes d'éclairage de sécurité, BAES. Donc c'est un éclairage indépendant. Alors le mot indépendant, là, il est important, il veut dire que c'est le même, c'est le, le, le synonyme de autonome, hein, dans l'acronyme. Autonome, indépendant, ça veut dire qu'il y a des batteries à l'intérieur. Et il est actif pendant au moins une heure en cas de coupure d'alimentation. Ensuite, on trouve l'éclairage anti-panique. Donc, l'éclairage anti-panique, c'est un, un pseudo-éclairage de remplacement, si vous voulez, qui va permettre au public de, de voir ce qu'il fait pendant la phase d'évacuation. Donc, c'est un éclairage minimal qui va permettre euh, voilà, au public d'éviter de, de, les obstacles, d'éviter les objets qui traînent sur le sol, enfin de voir où il va en tout cas. Donc il permet de maintenir un éclairage uniforme de l'établissement pour garantir la visibilité et éviter tout risque de panique. Donc, ça veut dire que là aussi, on a des normes en termes d'éclairement minimal à respecter. Et évidemment, ces blocs-là, puisqu'il y a coupure d'alimentation du secteur, ils doivent également fonctionner sur batterie. Donc les règles, on ne va pas les voir dans les détails, euh, disons que là il faudra se rapprocher de, de la norme, mais il euh, faut savoir que c'est variable en fonction du nombre de, de personnes qui sont accueillies dans l'établissement. Mais si on prend un exemple, euh, voici un établissement avec plusieurs salles, donc on a un hall d'accueil, un salon, euh, deux salles de séminaire, un local, une cage d'escalier qui mène euh, à euh, un étage. Eh bien on va voir que... On a certaines règles qui imposent donc déjà des BAES à des endroits stratégiques et ensuite des euh, éclairages de remplacement. Donc si on s'intéresse déjà aux au BAES, on remarque, donc c'est ce qui est noté ici bloc d'évacuation, donc on remarque qu'il nous en faut un à chaque sortie, voilà, ou à chaque issue de secours. La norme nous impose également un bloc d'évacuation tous les 15 mètres. En plus, un bloc d'évacuation à chaque changement de direction. Donc, on a ici déjà quatre conditions sur les blocs d'évacuation, les BAES. À chaque sortie, à chaque issue de secours, tous les 15 mètres et à chaque changement de direction. Maintenant, sur les blocs d'ambiance ou anti-panique, hein, c'est l'éclairage minimal de remplacement. On doit avoir au minimum deux blocs d'ambiance ou anti-panique par salle. Et si la hauteur de l'installation est de 2 mètres, la distance entre les blocs devra être de 8 mètres maximum. Ça veut dire que si la hauteur sous plafond est de 2 mètres, on doit avoir à peu près 8 mètres maximum entre chaque bloc. Maintenant, si on regarde la structure interne d'un BES, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur euh, bah On voit qu'on a, a de l'électronique. Et euh, ben, donc c'est une électronique qui va permettre plusieurs modes de fonctionnement. Ici on a une partie alimentation avec fusible, transformateur. On a un pont de diode. On a également euh, un étage qui va permettre euh, d'alimenter et de recharger la batterie. Hein. On voit que c'est une batterie euh, qui a trois cellules de 1,2 volts et qui est capable d'emmagasiner 4 ampères Ici on a une série d'éclairages. Donc, on a deux types d'éclairage. On a l'éclairage de veille et euh, l'éclairage euh, activé. Et ici, on a une électronique qui permet de gérer l'entrée euh, télécom. Donc, l'entrée télécom, je vais en parler euh, plus tard. C'est ce qui va permettre de gérer au quotidien les BAES. Parce qu'on va voir que ça pose quelques soucis. Donc, en fonctionnement normal et en présence du secteur, hein, donc ça veut dire qu'il est en veille, il est en train de recharger sa batterie, on a la lampe H1 qui est allumée. C'est une lampe de. Euh, 3 watts. Ensuite, quand j'ai une absence du secteur, eh bien, je vais avoir une batterie qui alimente les lampes H2 et H3. Et c'est ceux-là qui vont indiquer que le BES est passé en mode évacuation et qui vont indiquer au public les, euh, les issues. Donc cet éclairage euh, H2 et H3, et donc il éclaire plus fort que l'éclairage de veille. Et on a cette fameuse entrée télécom. En fait, l'idée c'est de permettre de couper les lampes H2 et H3, même en l'absence du secteur. Alors, pourquoi on voudrait euh, mettre, euh, couper ces lampes en l'absence du secteur Il y a certains établissements qui, quand on est en dehors des heures d'activité de l'établissement, euh, le gardien fait une coupure générale du secteur. Euh, donc, pour euh, par exemple, si l'éclairage euh, en fonctionnement normal hein, euh, voilà, euh, venait à rester allumé pour faire des économies d'énergie on va couper tout, tout le, toute l'alimentation de l'éclairage la nuit, par exemple, et jusqu'à la reprise de l'activité de l'établissement le lendemain matin. Ce qui va se passer quand on fait ça, c'est que ben tous les BAS vont croire qu'il y a un ordre d'évacuation et vont passer sur batterie, et donc vont vider leur batterie en, en une heure. Et pour éviter ça, ben, on va activer cette fameuse entrée télécom qui va signaler que cette coupure du secteur est une coupure normale et qu'il ne faut pas vider la batterie et donc il faut mettre les BES au repos. Et donc justement le raccordement du BES doit toujours se faire entre euh, le disjoncteur d'éclairage et l'éclairage normal de l'établissement. Donc ici on a la commande de l'interrupteur de l'éclairage normal, et donc on est sur la ligne d'alimentation euh, de l'éclairage. L'alimentation secteur, secteur pardon, du BES est réalisée entre le disjoncteur d'éclairage et les organes de commande. Par cette connexion, le bloc passe en sécurité en cas de déclenchement du dispositif de protection. Donc ça veut dire que si le disjoncteur ici se déclenche, ça veut dire que si jamais il est coupé, dans ce cas-là, on ne pourra plus allumer l'éclairage classique et le BES va donc passer sur Patrick. Maintenant, si on s'intéresse au, au raccordement de la télécommande, donc le bloc de télécommande, il est ici dans le tableau électrique, et ce bloc de télécommande, il va permettre d'indiquer, euh, par ces deux conducteurs là, euh, rouge et noir, il va permettre d'indiquer à tous les BES que euh, la coupure est une coupure normale et pas un ordre d'évacuation. Donc, ce bloc de télécommande, on voit qu'il est également protégé par un disjoncteur divisionnaire. Et ici, on a le disjoncteur général d'éclairage et on a des sous-disjoncteurs d'éclairage pour les différentes pièces. Donc, le bloc modulaire de télécommande, celui-là, hein, il est situé sur le tableau électrique principal. Tous les BAES sont connectés en parallèle sur le bloc. Et à la fermeture de l'établissement, l'utilisateur peut alors couper l'éclairage général et mettre en même temps tous les BAES au repos. Alors ensuite, la gestion au quotidien, comment ça se passe Donc, si jamais on est en période d'activité normale de l'établissement, c'est-à-dire ben voilà, le magasin est ouvert, j'ai besoin d'éclairage. Donc j'ai l'éclairage normal qui est activé et les BES sont en veille. Ensuite, à la fin de l'activité, le public s'en va, on a toujours l'éclairage qui est activé. Donc je ne sais pas, par exemple, les employés ont oublié d'éteindre l'éclairage. Et euh, les BES sont toujours en veille. Fin de journée, le gardien euh, coupe le disjoncteur d'éclairage pour être sûr de couper euh, toutes les lampes de l'établissement. Et là, ben, on a le BES qui pense qu'il a affaire à une coupure de courant et il va déclencher une évacuation. Le gardien va signaler que c'est une extinction euh, normale de, du courant. Donc, il va faire une coupure manuelle des BES grâce à la télécommande. Et enfin, le lendemain matin, à la réouverture de l'établissement, quand on réenclenche le disjoncteur d'éclairage, eh tous les BES vont pouvoir repasser en veille. Et donc, comme d'habitude, pour finir, un exercice. Donc, qu'est-ce qu'un ERP Donc, je rappelle, un ERP, c'est un établissement recevant du public. Et donc, on voit qu'il est soumis aux règles de sécurité. Ensuite, le rôle de l'éclairage de sécurité, ben son rôle, ça va être de guider le public lors d'une évacuation et surtout de le faire dans des conditions euh, optimales de sécurité. Ensuite, l'anti-panique. Donc, l'éclairage anti-panique, il est différent de l'éclairage euh, d'évacuation par le fait qu'il ne sert pas à indiquer. Euh, par où il faut évacuer l'établissement, il sert simplement à assurer un éclairage minimum. L'éclairage antipanique est un éclairage provisoire, minimal, qui permet une évacuation dans le calme. Ça, c'est son rôle. 4. Que veulent dire les initiales BAES Donc BAES, ça veut dire bloc autonome d'éclairage de sécurité. 5. Quel est le rôle de l'entrée Télécom du BAS. Donc, cette fameuse entrée télécom, son seul rôle, c'est d'indiquer au BAS que la coupure de courant qu'il est en train de subir est une coupure de courant voulue, due à la fin de l'activité de l'établissement en fin de journée, et que ce n'est pas une coupure de courant qui indique qu'on va évacuer l'établissement. Donc, l'entrée télécom du BAS permet de mettre au repos les blocs lors de la fermeture de l'établissement. Que se passe-t-il au niveau du BES quand le disjoncteur d'éclairage se coupe Donc le disjoncteur d'éclairage se coupe, ça veut dire coupure d'alimentation secteur, et donc le BES, qu'est-ce qu'il va faire Il va passer sur batterie, il passe en sécurité et en éclairage renforcé sur batterie. Voilà, c'est la fin de ce chapitre et c'est également la fin de toute la playlist sur l'alarme sécurité incendie. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci et au revoir.